Je m'appelle Abdarrahman Wondi Ndiawar. Les gens me connaissent aussi Abdawon. Je suis né le 16 juin 1973 à Kayedi. Et je suis donc mauritanien. Je suis aujourd'hui journaliste et spécialiste de la communication. J'ai géré la communication du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Aujourd'hui, je suis encore le chargé de la communication de Trust Africa. Au-delà de ma vie professionnelle, j'ai aussi une vie de famille. Je suis marié et père d'un enfant que j'adore, qui s'appelle El Hadj Amadou Wall. Amen. Et maintenant, est-ce que vous pouvez revenir, par exemple, sur les événements de 1989 qui vous ont amené ici? Vous avez été déporté. En 1989, ma famille a été déportée. En 1989, prenant prétexte du conflit qu'il y avait avec le Sénégal, le régime raciste esclavagiste mauritanien décida de déporter plus de 200 000 négros mauritaniens vers le Sénégal et vers le Mali. Ma famille, mon père a été déporté à partir de Kayedi, lui qui était né en 1919 à Kayedi même. C'est dire que les déportations visaient en tout cas à dénégrifier ou à diminuer le poids démographique des Noirs de la Mauritanie et à s'approprier des terres de la vallée, parce que les seules terres qui étaient arables ou cultivables, c'était les terres de la vallée du fleuve Sénégal. C'est ce qui explique aussi les déportations de 1989. Alors, quand vous êtes arrivé ici au Sénégal, vous avez été accueilli comment? Quand on est arrivé au Sénégal, nous avons été accueillis par nos parents, par nos amis, par nos cousins. Il ne faut pas oublier que tout Foutanké, tout Halpular, tout Soninké, tout Wolof, et à cheval entre les deux, parce que les ethnies sont divisées par la frontière. Ce sont les mêmes ethnies, les mêmes familles qu'on trouve de part et d'autre du fleuve. Et donc, on a été bien accueillis au départ. Des organisations comme le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, nous a assisté pendant les premières années, mais et par la suite le HCR a fini quand même par réduire et puis éliminer l'aide qui était destinée aux réfugiés. L'État du Sénégal nous a à un moment donné aussi soutenu, mais après, sous la pression de la France, il fallait se retrouver, il fallait coûte que coûte en tout cas se réconcilier avec Wultaya. Et donc les réfugiés mauritaniens en ont souffert. C'est d'ailleurs ce qui explique notre réinstallation du Sénégal vers les États-Unis d'Amérique. Parce qu'en 2000, il y a eu un groupe des militants des forces de libération africaine de Mauritanie. Et bien ce groupe a été réinstallé vers les États-Unis. Bien entendu, nous étions d'accord avec ce choix, parce que pour nous aussi c'était une autre stratégie, c'était aussi une autre manière de porter la lutte un peu plus loin. Parce que jusque-là, on n'avait pas réussi à communiquer de façon efficiente avec le monde anglophone. Et donc, une fois la barrière linguistique franchise aux États-Unis, on a réussi quand même à expliquer ce qui se passait en Mauritanie, à savoir le racisme d'État, à savoir l'esclavage, à savoir la dictature. Une petite parenthèse, parce qu'on a tout simplement l'habitude de se focaliser sur la question nationale et sociale. Toujours est-il qu'il y a des non-compatriotes paysans qui souffrent tout simplement parce que c'est des moulins hamekskhayr, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont ici des grandes familles paysans. Et nous pensons que l'injustice, nous sommes contre toute injustice et toute forme d'injustice. Et nous sommes solidaires. Ça empêche quand même qu'ils sont beaucoup plus privilégiés par rapport aux Noirs mauritaniens, parce qu'à la limite, eux, on sait qu'ils sont mauritaniens.
Oui, par rapport à la question d'identité ou par rapport à la question de nationalité, le problème ne se pose pas. Et mieux, j'irai même plus loin. Aujourd'hui, les Arabes venant du Moyen-Orient ou bien les Touaregs qui viennent du Mali sont plus mauritaniens que les Négros mauritaniens, du seul fait de la couleur de leur peau. C'est quoi maintenant, aujourd'hui, le sort des ressortissants mauritaniens qui ont été déportés ici? Le sort, certains sont rentrés et ceux qui sont rentrés sont devenus des déportés dans leur propre pays, tout simplement parce que ce que le régime cherche, le régime mauritanien cherchait, c'est d'éclater les camps de réfugiés, mais sans trouver une solution définitive et durable. Donc ceux qui sont rentrés sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Et ceux qui sont restés sont là livrés à eux-mêmes. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Et c'est pourquoi je lance un appel à la diaspora mauritanienne, à toutes les organisations de droits humains, pour venir en aide aux réfugiés mauritaniens qui sont au Sénégal et au Mali et qui vivent dans des conditions vraiment difficiles. Et bien entendu, l'appel est aussi, nous lançons un appel aux Mauritaniens, aux organisations mauritaniennes, aux peuples mauritaniens, pour savoir qu'il y a encore des citoyens mauritaniens qui sont au Sénégal et au Mali comme déportés et qui sont aussi dans la diaspora, qui ne peuvent pas rentrer tout simplement parce que le régime n'a pas facilité un retour définitif et organisé de tous les Mauritaniens. Et quand, par exemple, moi j'ai jamais compris, par exemple, pourquoi est-ce que ni le Sénégal ni le Mali n'ont jamais rien dit de ce qui se passe en Mauritanie. À l'époque, ils avaient dit, ils avaient émis certaines déclarations. Comme je le disais, mais sous la pression de la France, ils ont finalement lâché en fait, la prise. Mais il faut aussi en profiter pour remercier la société civile sénégalaise et malienne, la population du Sénégal et du Mali. Voilà des gens qui se sont mobilisés pour quand même qu'il y ait un retour organisé, qu'il y ait un retour organisé des réfugiés et pour aussi que les réfugiés qui sont dans leur pays puissent vivre dignement, même si les conditions sont très difficiles, même si ces pays ont eux-mêmes leurs propres problèmes. Comment est-ce que vous pourriez analyser la situation politique aujourd'hui en Mauritanie? La situation, elle a évolué. 2019 est différent de 1989. Mais si elle a évolué, je pense que c'est parce que nous avons accepté de nous battre. Il y a eu des Mauritaniens qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, qui ensemble se sont battus. Donc, pour qu'il y ait ce changement, évidemment, le régime est très subtil. À chaque fois qu'il y a des avancées, le régime essaie d'anticiper. C'est ce qui explique l'ouverture démocratique. C'est ce qui explique les prières, soi-disant, et même sans ablution, de Will Abdelaziz à Kayedi. Et donc, à chaque fois qu'ils comprennent que la situation est en train d'évoluer, ils essaient d'anticiper sur les événements. Bref, la situation est ce qu'elle est. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des négro-mauritaniens qui sont encore maintenus sous l'esclavage et ça doit cesser. Au moment où nous parlons, les négro-mauritaniens, c'est-à-dire les Harpulars, les Soninkés, les Wolofs et les Bambara, ne sont pas considérés comme étant des citoyens à part entière. Et ça doit cesser. Aujourd'hui, je lance un appel à mes compatriotes arabes, qu'ils comprennent que ça ne les arrange pas, que ce n'est pas dans l'avantage de la Mauritanie que d'avoir des citoyens de seconde zone. Et que la Mauritanie se fera avec la présence de tous ses fils, ou malheureusement, elle ne se fera pas. Et donc, ce message doit être clair. Il faut qu'on le comprenne, qu'on comprenne que ce pays appartient à nous tous. Je n'ai pas besoin de passer, de faire la cour à un Beydan pour obtenir mes droits, mes droits en Mauritanie. Et malheureusement, aujourd'hui, la situation comme ça. est comme ça. Quelqu'un qui n'a pas son Beydan ou qui ne fait pas de courbettes au régime, ne risque de ne rien avoir ou de ne pas exister en Mauritanie. Alors que ce que nous voulons, c'est un état de droit où tout le monde est égal devant le droit, où le Harati ne sera pas considéré comme étant un descendant d'esclaves, où
le négro-mauritanien ne sera pas considéré parce que tout simplement qu'il est un négro-mauritanien. Bref, créer une société nouvelle, créer une Mauritanie nouvelle, où toutes ces filles et tous ces fils se retrouveront autour d'une même table, ils se retrouveront pour construire ce pays. Et moi, je vois l'opposition mauritanienne, je me dis, enfin, ça c'est mon point de vue, hein, je pense qu'on est 3 millions d'individus et qu'il y a une multitude de partis d'opposition. Est-ce que vous trouvez que l'opposition comme ça est efficace? Bien entendu, je suis toujours pour l'unité. Je suis toujours pour que les organisations puissent fédérer. La preuve, j'ai commencé à faire de la politique à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Ça fait 31 ans que je fais de la politique. Je ne connais qu'une seule organisation politique, ce sont les Flammes. J'ai pas besoin parce que je me dis qu'aller dans une autre organisation ne change rien. Ce qu'il faut, c'est plutôt essayer d'avoir des coalitions. Évidemment, les partis, les mouvements peuvent être différents, travailler de façon différente, mais au moins accepter le principe de travailler ensemble. Unis, nous vaincrons. Si nous sommes désunis, ce sera très difficile d'atteindre certains objectifs. Alors, la question qui fâche, que pensez-vous de l'alliance entre Biran et Sawab? Disons aussi que vous étiez assez proche avec Biran. Je pense que malheureusement, il y a eu cette fusion ou cette union. Parce qu'ici, on avait commencé à travailler avec l'IRA. Les réfugiés, les Flammes et l'IRA travaillaient ensemble. Nous avons trouvé très malheureux le fait que l'IRA a choisi de travailler avec Sawab, tout simplement parce que c'est un parti bassiste de l'extrême droite arabe. Qui a un parti qui a accompagné tous les régimes racistes de la Mauritanie et qui a conseillé les régimes dans la dénégrification de la Mauritanie. Donc, à partir de ce moment, il y a un problème de principe qui se pose pour nous autres pour continuer en tout cas à travailler ensemble avec l'Iran. Nous leur souhaitons bonne chance. On s'est Ah quittés. ben non, c'est si vous leur souhaitez bonne chance, s'ils gagnent, on est perdu, Je non? ne souhaite pas bonne chance à Sawab, je souhaite bonne chance à mes ex-camarades parce qu'il faut toujours garder quand même les bons rapports malgré les divergences idéologiques, malgré les divergences de principe. Et je pense que sur le plan humain, quand on se quitte avec quelqu'un, il faut quand même au moins souhaiter à cette personne-là bonne chance. Vous êtes communicant aussi. Vous pensez que Biran, pour faire cette alliance, a été mal conseillé? Je le pense, je l'avais conseillé autrement et je pense qu'il n'aurait pas dû le faire parce qu'il représentait beaucoup pour le mouvement, les Mauritaniens, pas seulement les Harakhines, pas seulement les Négro-Africains. Il représentait quelque chose et pour nous, à notre même le fait de ne plus s'accompagner avec nous, ça crée déjà des fractures, ça crée déjà des petits problèmes au mouvement auquel il est incarné. IRA, pour vous, c'est quand même ça doit être une organisation qui doit être d'envergure nationale. Je pense que les personnes les mieux indiquées pour répondre à cette question sont les militants de l'IRA. Je n'ai jamais été un militant de l'IRA. Cela dit, les Flammes ont eu à travailler avec l'IRA à un moment donné. Alors, les FPC, ex-flammes. Dites FPC et arrêtez-vous là. Parce que ce n'est pas ex-Flammes, c'est FPC tout court. Les Flammes existent toujours. La preuve, je suis leur chargé de relations extérieures. Et FPC, ce sont nos amis, nos camarades, avec qui nous ne cheminons plus. Là également, je dois leur souhaiter bonne chance dans leur nouvelle aventure. Et nous, nous continuons la lutte autrement. Nous garderons bien entendu des relations humaines avec ceux avec qui on avait des bons rapports. Qui constitue aussi quand même la majorité. Voilà ce que je pense de FPC.
Je pense qu'ils ont aussi été à un moment donné victimes d'une injustice. Ils ont choisi de militer à l'intérieur. Le régime a refusé de leur octroyer Le reconnaître. en fait, le récépissé. Je pense que c'est une injustice. Et ça nous réconforte, nous autres qui avons choisi de continuer la lutte au sein des flammes, ça nous réconforte pour nous. Ce n'est pas un problème, le problème est beaucoup plus profond que cela. Et que la lutte demande encore beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de détermination. Et elle peut être longue comme elle peut être courte, mais en tout cas beaucoup plus de détermination. Ok, et HIDMR. C'est un mouvement AJDMR de Ibrahima Sarr comme Khan Hamidou Baba, comme. En fait, c'est tout ça, c'est des ex-flammes. En fait, ils Non, faisaient ce n'est pas partie des de. ex-flammes. Khan Hamidou Baba n'est pas, n'a N'a pas. jamais été fait Voilà. partie de des flammes. Mais par contre, Ibrahima Sarr, comme je l'ai dit, tous ceux qui ont été à Walata ont pour moi une certaine. J'admire, Flamité. voilà, pour moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Et n'oublie pas que l'AJDMR est composé aussi par des amis, des camarades de Flamme Rénovation qui nous avaient quittés en 2006, qui sont allés rejoindre le mouvement. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu pour toute cette grande famille de se reconstituer et de se réconcilier avec elle-même et de penser à l'avenir et de penser à ce qui nous avait motivés, à ce qui nous avait unis avant, à savoir créer une Mauritanie non-raciale, multinationale et démocratique. Donc c'est un appel à l'unité de toutes ces forces vives que je lance, c'est un appel que je lance à mes amis, je ne dirais pas à mes ex-camarades, pour qu'ils reviennent, pour qu'on essaie de travailler ensemble. En réalité, ça a toujours été la ligne des flammes, amener les gens à travailler ensemble, parce que les flammes elles-mêmes sont une fusion de quatre organisations politiques, bien entendu, et des personnalités indépendantes. Ça, c'était en 1983. J'étais né, mais je n'avais que 10 ans. Donc, il faut continuer le flambeau, il faut continuer la lutte. Et l'eau a coulé sous les ponts depuis. Voilà. Beaucoup doit couler, effectivement. Mais on est là, inébranlable, et nous continuerons la lutte. Alors la dernière séquence, c'est que je vais juste vous dire des noms et vous me dites spontanément ce qui vous vient à l'esprit ou ce que vous avez envie Oh là là, exercice difficile, mais je vais m'y atteler. de dire. C'est rien de vraiment grave, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais commencer par Mortar Ouldada. Mokhtar Ouldada est le premier président mauritanien qui, en fait, au début, il avait déterré le poète mauritanien, Deyloul, qui disait que ma Mauritanie, c'est le noir de l'œil et le blanc de l'œil. Unis ensemble, je peux voir. Mais malheureusement, vers la fin de en fait, à peine la Mauritanie indépendante, il a été infiltré par les mêmes Baasis, les Nassériens, et il a donné à la Mauritanie une orientation exclusivement panarabiste. Par exemple, votant des lois en 65, des lois 65-025 et 65-026. Et donc, je pense que sur le plan humain, bien entendu, il avait compris des choses que d'autres n'avaient pas compris. C'est le président mauritanien le plus cultivé, parce que même si le reste demeure encore, pour cela, nous le respectons. Et nous le respectons aussi à cause de leur âge, parce que nous sommes en Mauritanie. Nous sommes des Africains. Et l'âge joue un rôle assez important. On n'a pas le droit en tout cas, de traîner dans la boue les personnes d'un certain âge. Donc, quand je dois parler de Mokhtar, je me mettrai aussi quelquefois à la place de son fils. Mais Donc, il en même devient temps, le. c'est un personnage politique. Je veux dire, il avait une mission, il l'a pas fait. On Nous devrait pouvoir le dire. avons la possibilité de le dire, nous avons eu l'occasion de le dire et nous le redisons. Sur le plan politique, nous sommes aux antipodes, ce n'est pas notre rôle. Mais je dis que sur le plan humain, c'est un vieux que nous respectons à cause aussi de son âge.
Mais à aucun moment nous avons cautionné et nous ne cautionnerons la politique de Mokhtar Dynamique. Mouldada parce que c'est d'abord les premières revendications contre le racisme, les premières revendications sur le plan social datent de son temps. Mais malheureusement, les militaires nous font regretter Mokhtar Mouldada, bien que des gens comme moi ne le regrettent pas en tant que président, parce que nous pensons que l'avenir nous réserve peut-être des meilleurs présidents. Alors, si je vous dis Samba Thiam, le président des FPC. Samba Thiam, malheureusement qu'on a pris des chemins divergents, mais je continue de considérer que c'est un grand frère avec qui j'ai eu des très bons rapports. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre nous, si bien que même si sur le plan politique on n'est pas d'accord, on essaiera quand même de garder ce qui s'est passé entre nous parce que c'était des moments forts et je ne perds pas de vue du fait que bon, ces moments sont très importants. Je pense aussi sur le plan personnel, il s'est battu, il s'est sacrifié quand même pour la Mauritanie et pour les Négros mauritaniens. C'est ce que je pense de lui. Et je veux aussi que maintenant que le FPC n'est plus revenu, c'est de revenir dans mon mouvement et de venir militer. Ça, c'est, je peux me permettre Voilà, le message est de passé. Monsieur voilà. Samba Thiam, revenez dans votre famille. Voilà, Voilà. revenir au sein des flammes. Voilà. Et bah, si je vous disais Saoudatou Wane. Saoudatou, je l'ai connu un peu grâce à son mari quand ils étaient venus aux États-Unis. Je pense que je n'ai pas eu la chance de maintenir les rapports ou les relations, mais comme je le disais, j'ai beaucoup d'estime et D'admiration. d'admiration pour les gens de sa génération, en fait, son mari et ceux qui se battent. Vous savez, j'ai compris une chose très tôt, c'est que tout le monde ne peut pas être dans un même mouvement. Et une fois qu'une personne est debout et en train de se battre, je pense qu'elle doit être soutenue, elle doit être encouragée. Et ce combat, ce n'est pas seulement politique. Ça me permet de parler des choses. Le combat, il est à la fois culturel. Rendons hommage aussi aux jeunes rappeurs qui sont en Mauritanie en train de se battre. Rendons hommage aussi à ceux qui ne sont pas là sur le terrain, mais qui nous donnent des conseils. Rendons hommage aussi à nos femmes, parce que sans elles, le combat ne serait pas là où il est. Si on a la possibilité, bien entendu, de continuer la lutte, c'est que peut-être nous sommes soutenus par nos femmes qui ont accepté de s'occuper de nos familles, de s'occuper de nos enfants pendant que nous sommes sur le terrain. Alors, Ibrahim Sarr. J'ai parlé d'Ibrahim Sarr quand je parlais de Saoudatou. Je disais que j'aime bien aussi sa poésie, au-delà que c'est un grand frère. J'aime bien sa poésie. Et pour l'anecdote, vraiment, je sais que quand il était en prison et qu'on a annoncé son décès, c'était à Kaïli. Et j'ai vu que mon père était en train de pleurer. Tout simplement parce qu'il sait que ses enfants avaient beaucoup d'estime pour Ibrahima Sarr, pour sa poésie et pour tous ceux qui étaient quand même à Walata. Alors, pas Mamadou Sidi. Bah, Mamadou Sidi est l'actuel président des Flammes. Moi, je l'appelle centralisme parce qu'il fait partie de ceux qui nous ont formés et qui nous ont initiés au centralisme démocratique. Et donc, je l'appelle le centralisme amicalement. Au-delà de relations de camaraderie, du fait que nous sommes dans une même organisation, nos familles entretiennent aussi de très bons rapports. J'en profite pour lancer un clin d'œil à des gens qui sont inconnus pratiquement, ou qui sont partis, qui ne se manifestent pas toujours. C'est la deuxième génération des militants des Flammes. La liste est longue.
mais ils se reconnaîtront, ils savent qu'ils se sont battus. Ils savent aussi que quand les aînés étaient en prison à Walata, c'est eux qui avaient repris le flambeau d'abord à Dakar, en France et au Canada. C'est des cadres brillants qui, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas eu la chance de vivre une belle vie ou une bonne vie dans leur propre pays. J'en profite pour vraiment leur rendre hommage. Et rendre hommage aussi à un grand Mauritanien, le premier ingénieur de mine de la Mauritanie, qui est aujourd'hui à Chicago, c'est Camara Abdoul Koudous, qui est un non-voyant, mais qui voit, qui s'est beaucoup battu pour son pays, pour le mouvement et pour tout le monde. Qui, quand il était à la CNIL, je n'étais pas là-bas, mais les gens racontent qu'il avait ouvert sa maison à, non seulement à toute sa communauté, mais aussi à tous ceux qui sont battus pour une Mauritanie de justice. Qu'est-ce que tu penses de la problématique Peul au Sénégal et dans la région? Je pense que, en général, les Peuls sont victimes d'une stigmatisation. Au Et Sénégal. je dis en général. Et ce qui se passe, c'est que il y a aussi des gens qui malheureusement utilisent ce phénomène contre les peuples. Les premiers à le faire, c'était le régime mauritanien qui a créé cette alliance anti-peuple et qui est allé dire un peu partout dans la sous-région qu'en Mauritanie, les peuples sont ceci et cela, alors qu'il n'en est rien, qu'il n'en était rien. Aujourd'hui, le problème le plus qui se pose, c'est le problème, en fait, le problème de peuple se pose aussi au niveau du Mali, où on a, c'est pratiquement, je pèse mes mots, mais c'est un génocide contre les peuples. Et je pense que nous ne le disons pas parce que nous sommes peuples, nous le disons parce que nous sommes militants des droits humains. C'est la responsabilité du régime, ou en tout cas de Ibeka, le président malien, de régler ce problème-là et de protéger ces populations. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'on est peul et qu'on se retrouve seul face à l'armée malienne, on a des inquiétudes et ce n'est pas normal. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. C'était très instructif. Je vous Merci. remercie.